Le pays d'où je viens, le Bangladesh, est sans cesse victime des catastrophes naturelles, comme les inondations. Mais aujourd'hui, il vit un nouveau drame. L'arsenic contenu dans l'eau que la population boit au quotidien l'empoisonne lentement mais inexorablement. En 2001, je suis allé à Ahmedpur, une petite commune comme les autres, dont j'avais entendu dire que la plupart des habitants sont contaminés. J'ai d'abord rencontré Rekha, 23 ans, contaminée par l'arsenic. Son mari, terrifié par la maladie, l'a abandonnée quand elle était enceinte. Les gens ne s'approchaient pas de nous. Ils pensaient que c'était contagieux. Ils ne buvaient pas dans les mêmes verres que nous. Tout le monde nous détestait. Beaucoup de gens sont morts ici. On m'a dit que tout le monde va mourir. Quand j'entends ça, je suis triste. J'ai peur de mourir bientôt. On raconte que personne ne guérit de cette maladie. Nous allons tous mourir car il n'y a pas de traitement. Les docteurs ignorent cette maladie. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de médicaments. Quand je me sens triste, je chante. Cela me fait beaucoup de bien. Et je ne parle à personne de mon chagrin. Rekha m'a présenté ses petites voisines, Asma et Nazma, deux sœurs gravement intoxiquées par l'arsenic. Beaucoup de gens de notre commune sont morts. Sa mère est décédée subitement. Sa tante aussi. Au départ, nous croyons que c'était le fait de fantômes, de mauvais esprits et de malédictions. La superstition, c'est un sujet de conversation habituel au village. Avant l'installation des pompes, nous utilisions de l'eau de surface provenant d'étangs, de la pluie ou de puits. Nous vivions à paix et nous n'avions jamais aucun problème. C'est vrai que nous avions la diarrhée. Maintenant, il n'y a plus de diarrhée, mais une grande maladie tueuse, l'arsenic. Dans notre région, les pompes ont été testées et marquées, en rouge pour la présence d'arsenic ou en vert pour l'absence. Mais quelle que soit la couleur de la marque, ici tout est contaminé par l'arsenic. Comme nous sommes pour la plupart illettrés, nous n'avons pas compris la gravité du problème. Pourquoi et comment
Cette eau est-elle contaminée par l'arsenic? Je voulais comprendre. Dans les années 70, pour lutter contre les bactéries, comme celle du choléra et de la dysenterie, contenues dans les eaux de surface, l'UNICEF, soutenu par la Banque mondiale, a installé des millions de pompes à travers tout le pays, afin de puiser l'eau des nappes phréatiques profondes. Je rencontre à Dhaka, la capitale, la représentante de l'UNICEF, Madame Shahida Azfar. C'était un programme national dirigé par de nombreux partenaires, dont l'UNICEF. Sous sa direction, les pompes ont été installées et testées. On n'a testé que des composants contaminants connus à l'époque, tels les bactéries, le fer et le chlore. According to the international standard protocol for testing, which WHO recommends, selon le protocole international de test recommandé par l'Organisation mondiale de la santé et la communauté mondiale, on ne teste que ce qui est censé se trouver dans l'eau. Si on veut tester toutes les substances présentes dans les sous-sols, il faudra faire au moins une vingtaine de tests. Cela coûte cher et on ne dispose pas encore de la technologie. Au Bangladesh, comme l'arsenic n'était pas censé se trouver dans les nappes phréatiques, il n'était pas question de le tester. Dès qu'on a déterminé que la source du problème était l'arsenic et qu'il était largement répandu au Bangladesh, l'UNICEF a travaillé avec le gouvernement pour développer des protocoles de test, élaborer des kits d'analyse et proposer des méthodes standardisées pour détecter toutes les pompes contaminées par l'arsenic ou d'autres toxines connues. Le professeur Dipankar Chakraborty, chef de département d'études environnementales à l'Université de Calcutta, a étudié l'empoisonnement par l'arsenic depuis 1988. Il a été le premier à alerter le monde en 1995. À son avis, la seule cause possible de cet empoisonnement est d'ordre géologique. Charrié par les rivières himalayennes, l'arsenic s'est accumulé dans les sédiments du Bengale, le plus grand delta du monde. Au cours du temps, une réaction chimique a libéré l'arsenic dans les nappes phréatiques. Dans le delta du Gange, il y a de l'arsenic, difficilement évacuable. Nous pensons qu'il va y rester. Alors pourquoi utilisons-nous l'eau des nappes phréatiques et non l'eau de surface? Dans l'eau des nappes phréatiques, nous avons décelé de l'arsenic, mais également d'autres toxines, comme le fluorure. Dans le monde entier, personne ne doute aujourd'hui que l'origine est géologique. Moi, j'ai demandé à un responsable de l'UNICEF, pourriez-vous boire l'eau chez vous sans la tester? Il m'a répondu non. J'ai dit alors, vous avez installé des millions de pompes au Bangladesh, mais à aucun instant vous ne vous êtes demandé s'il y avait de l'arsenic dans l'eau pompée? Il a répondu, nous n'avons pas pensé à l'arsenic, mais à d'autres pathologies. On ne s'attendait pas à une telle réponse de l'UNICEF. Jamal Anwar, un ami géologue qui vit en Allemagne, m'a rejoint au village. Il recherche les sources d'empoisonnement par l'arsenic. Dans un livre, il a pointé l'utilisation abusive des engrais comme cause principale de la contamination par l'arsenic. Il pense que les pratiques d'irrigation font diminuer les volumes de nappes phréatiques et favorisent ainsi la concentration en arsenic. Au Bangladesh, à la fin des années 60, a débuté la révolution verte. À cette époque, nous avons utilisé massivement des engrais, des pesticides et des pompes peu profondes.
Ces trois éléments ont causé l'apparition de l'arsenic dans notre pays. En 1970, nous avons été témoins de la contamination par l'arsenic de toute une région de l'Inde, l'Uttar Pradesh. La cause était les engrais à base de phosphate utilisés par les agriculteurs. À cette époque, nous utilisions les mêmes engrais au Bangladesh. Maintenant, chez nous, tous les fermiers manifestent contre les engrais de mauvaise qualité et les pesticides. Mais jusqu'à aujourd'hui, les responsables n'ont jamais abordé ce sujet et nous n'avons obtenu aucune analyse de la composition des engrais. Cela fait 24 ans que je pédale avec mon cyclopousse, mais ma chanson demeure éternellement en mon cœur. Comme je souffre de cette maladie, je suis triste. Je n'arrive plus à travailler et ma famille me critique. Mais avec mes chansons, je vis dans la paix. Les gens qui m'écoutent chanter me donnent un peu d'argent. À côté de cela, je continue à gagner ma vie comme je peux avec mon cyclopousse. Quand il fait chaud, mon corps brûle et j'ai des démangeaisons. Dans ces instants, je me déshabille et je plonge dans l'eau. Oui, ça nous brûle tout le corps. En hiver, je perds toutes mes sensations. J'ai l'impression que ma langue est paralysée et lorsque je respire, ma tête devient brûlante. Dans ces moments d'agonie, je me dis que je vais mourir bientôt. Je me sens très faible et je ne vois alors aucune issue. Pour m'aider, je me mets à chanter. Mahmoudur Rahman, professeur de médecine à l'hôpital de Dhaka, s'occupe depuis l'origine du traitement des maladies liées à l'arsenic. Nous avons découvert ce grave problème au Bangladesh et au Bengale Ouest, en Inde. Au Bangladesh, c'est nettement plus grave. On dit maintenant que 80 millions de gens sont exposés aux maladies de l'arsenic et 20 à 30 millions de gens déjà atteints boivent toujours de l'eau empoisonnée. C'est un problème extrêmement grave. Les premiers signes d'intoxication à l'arsenic sont visibles sur la peau.
Cela commence par une pigmentation qui peut conduire à un cancer de la peau. Il y a aussi bien d'autres cancers, les poumons, les reins, la vessie, ainsi que des maladies artérielles qui peuvent évoluer en gangrène. Et nous sommes alors obligés d'amputer. Cette maladie n'est pas réservée aux plus âgés. Les enfants aussi en sont victimes. Jamal Anwar teste l'eau et vérifie son taux d'arsenic. Il souhaite que les habitants prennent conscience de cette catastrophe que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié de plus grand empoisonnement collectif de l'histoire. L'arsenic est un poison. Le mieux est qu'il n'y en ait pas du tout. Dans l'eau, il y en a toujours plus ou moins. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le taux maximum acceptable de teneur en arsenic est de 0,01 mg par litre. Au Bangladesh, le taux maximum acceptable est de 0,05 mg par litre. À l'étranger, en Amérique par exemple, on boit au maximum 2 litres d'eau par jour. Les Bengalis, parce qu'il fait chaud et qu'ils travaillent dur, en boivent 4 à 5 litres par jour. L'arsenic s'accumule davantage dans leur organisme. Donc, la solution la plus simple pour obtenir de l'eau potable, c'est de la tirer du puits. À côté du village, on a créé une station de traitement pour l'eau de nappe phréatique, afin d'en éliminer l'arsenic. Je découvre par des tracts de la mairie qu'on veut faire payer cette eau aux habitants. Je rencontre Youssouf Haroun, le responsable de la station, curieux de savoir si cette eau est vraiment potable et sans danger pour la population. L'eau que vous distribuez est-elle sans arsenic? Oui, nous l'avons testée en laboratoire, il n'y a pas d'arsenic dans les limites fixées au Bangladesh. Qu'est-ce que cela veut dire dans les limites? En dessous de 0,05 mg par litre. En laboratoire, nous avons constaté 0,03. Mais nous n'avons pas fait les tests en laboratoire. On a envoyé des échantillons, mais nous n'avons pas encore reçu le résultat. En fait, vous n'avez pas testé l'eau de la station? Oui, nous ne l'avons pas encore fait. Nous avons envoyé l'échantillon au laboratoire, mais nous n'avons toujours pas eu les résultats. C'est-à-dire que vous l'avez envoyé, mais vous n'avez pas encore les résultats? Oui, c'est ça, mais on a fait un test avec le kit. Vous avez testé avec quel type de kit? C'est-à-dire... Jamal teste l'eau de la station et découvre que l'eau, soi-disant purifiée, a un taux d'arsenic très important. Regardez, ici ce sont les standards de l'Organisation mondiale de la santé, 0,01 mg par litre, et celui du Bangladesh, 0,05 mg par litre. Ici, on trouve 0,10 mg par litre, c'est-à-dire deux fois plus que le standard acceptable du Bangladesh. Et 10 fois plus que le standard de l'OMS. Mais ce n'est pas tout.
les déchets d'arsenic de la station de traitement sont rejetés dans la rivière, qui elle-même est utilisée pour l'irrigation des terres cultivables. À quoi sert donc cette station, censée purifier l'eau des nappes phréatiques et qui pollue les eaux de surface, alors qu'elle a coûté des millions de dollars? Ce projet de station de traitement de l'eau a été construit après consultation des ingénieurs hollandais. Ils connaissaient bien la question. Avant de réaliser le projet, ils ont fait plusieurs tests sur l'arsenic. C'est vrai qu'ils auraient pu penser à un procédé de destruction des déchets de l'arsenic. Mais ils n'ont pas fait. Avec cette eau, ils se lavent, cuisinent, les vaches s'y abreuvent, il y a des poissons aussi. Tout ce qu'on rejette est ingurgité par les poissons. Et comme les gens les mangent, peut-être est-ce une autre source de contamination, d'empoisonnement. D'un côté, nous purifions l'eau contaminée et de l'autre, nous polluons l'eau de surface. Trois ans plus tard, je retourne dans la commune d'Ahmedpur. Rien n'a changé. On n'a toujours pas trouvé de solution. Les habitants continuent de boire de l'eau contaminée par l'arsenic. Ils se disputent pour que de nouveaux puits soient installés le plus près possible de chez eux. Pourquoi les villageois boivent-ils encore de l'eau contaminée? Pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'eau potable? Il n'y a aucune différence entre les deux places. On peut faire un puits ici, pas de problème. Il y a 5 ans, des gens sont venus tester les pompes. Depuis, personne n'est revenu. On entend toujours arsenic, 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 mais comment trouver une solution? Nous ne savons rien, on ne nous dit rien. Ça n'est pas gratuit, il faudra payer. Vous devez donc payer pour faire le test? Oui, c'est 30 takas. La première fois qu'ils sont venus chez nous, ils ne nous ont pas pris d'argent. Nous avons ensuite entendu dire que les pompes marquées en vert ne resteraient pas forcément épargnées par l'arsenic d'ici un an. De même, l'eau des pompes marquées en rouge pourrait devenir potable.
Ensuite, plus personne n'est repassé pour nous confirmer la contamination. Quelle que soit la couleur, nous avons fini par boire l'eau des deux types de pompes. Nous sommes pauvres, nous manquons d'éducation. Les gens qui travaillent sur l'arsenic, eux, sont bien éduqués. Ils peuvent agir. Ici, nous sommes tous des ignorants. À Dhaka, M. Khoda Books, directeur de programme gouvernemental en charge du problème de l'arsenic depuis 1997, explique qu'avec un emprunt de 29 millions de dollars auprès de la Banque mondiale, on a testé et marqué en rouge ou en vert 51 000 pompes sur plus de 10 millions et construit 2 500 puits. En 2004, la Banque mondiale a donné 44 millions de dollars supplémentaires. Comment dépense-t-on cet argent? Et quels sont les programmes actuels pour résoudre les problèmes? Parmi les 359 municipalités et les 56 000 villages du pays, combien ont pu profiter de cet argent? Je vous dis qu'au Bangladesh, toutes les pompes ne sont pas contaminées. Jusqu'à présent, nous avons remarqué que 29% des pompes sont contaminées par l'arsenic. Et les 71% restants ne le sont pas. Si dans un village, il y a 10 pompes, il est possible que 8 d'entre elles soient contaminées. Les deux autres, sans arsenic, devraient être marquées en vert. Désormais, le public doit comprendre par lui-même. Il doit être responsable. Pour chercher l'eau potable, il faut aller loin si c'est nécessaire. Il faut le faire. Maintenant, nous motivons les gens en ce sens. Nous avons identifié 38 000 malades de l'arsenic. Il y a des cas graves et d'autres moins graves, d'après notre dernier sondage. Est-ce que les malades sont traités? Dans notre projet, nous avons formé des médecins et des aides-soignants. Je sais que le ministère de la Santé a pris des mesures pour traiter les malades contaminés par l'arsenic. Combien de gens sont morts jusqu'à maintenant? Je ne peux pas vous répondre. Vous pouvez obtenir cette information auprès du ministère de la Santé. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous allez recevoir 40 millions de dollars de la Banque mondiale. Que comptez-vous faire de cet argent? Quels sont vos projets? Avec ces 40 millions de dollars et les 15 millions de dollars du gouvernement, cela fait 55 millions pour ce projet. Moi, je vous ai déjà dit que nous installerons l'eau courante dans 500 villages. Et nous allons moderniser le système de distribution d'eau de 5 municipalités. Nous donnons la priorité aux régions les plus touchées. Dans ce projet-là, notre premier but est d'apporter l'eau courante à la population. Mais pourquoi ne testez-vous pas les pompes gratuitement? Si, on a fait gratuitement un test, non, un sondage, mais à l'avenir, nous allons faire de la surveillance gratuitement. Étant donné la situation financière des villageois, nous sommes en train de tester l'eau gratuitement. কত খায় জল কুমিরে ঠাঙ্গরে আর মানুষ কুমিরে Mais existe-t-il des solutions pour éradiquer cette catastrophe? Je rencontre le professeur Kamru Zaman, directeur du Community Hospital à Dhaka, qui lutte depuis 1996 contre l'empoisonnement par l'arsenic.
À mon avis, si cela se produisait dans un autre pays, ça passerait pour un crime. On a dépensé des millions et des millions pour communiquer, pour faire prendre conscience du problème aux gens. Si cela arrivait ailleurs, le gouvernement devrait rendre des comptes. Mais ici, malheureusement, surtout pour le problème de l'arsenic, ce n'est pas fait. Et nous, au Dhaka Community Hospital, nous attendons toujours une réponse du gouvernement. Si on pouvait fournir de l'eau potable gratuitement, on pourrait sauver beaucoup de vies. Nous conseillons d'utiliser l'eau de surface, comme les étangs, les rivières, les canaux et l'eau des puits. Au Bangladesh, on utilise encore beaucoup les puits. On a vérifié que cette eau perd son arsenic au contact avec l'oxygène. En plus, il n'est pas vrai qu'elle provoque la diarrhée. Selon notre expérience depuis 2 ans, si l'on bâtit les puits correctement, on peut avoir de l'eau potable, sans germes ni bactéries. Le Bangladesh est le 2e pays au monde pour le niveau des précipitations. Il est dommage qu'on n'exploite pas cette ressource naturelle. Une solution d'urgence serait l'utilisation des eaux de surface. On pourrait sauver des vies dans notre pays. Nazma a maintenant 16 ans, Asma 17. Entre-temps, leur père, malade lui aussi, s'est remarié. Elles ont maintenant une demi-sœur. La vie continue. Nazma ? Oui ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Oui. Vous avez vu beaucoup de temps, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez dit, 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 vous স্বাস্থ্য ভালো আগে কোথায় আসমা ঢাকায় অসুস্থ ছিল ওকে ঢাকায় নিয়ে গিয়েছি আচ্ছা তো কি হচ্ছে আসমার এখন আসমার ওই মানে বুকের মধ্যে বেশি কাশি কাশির সাথে অনেক কফ বের হয় শ্বাসকষ্ট আর ওই বুকের মধ্যে সব সময় মানে যে বাইরে আর এই বেশিরভাগ হলে শ্বাসকষ্ট তোমার কি আসমা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয় তো কি ওর শরীরটা অনেক খারাপ হচ্ছে তাই না অনেক খারাপ হয়েছে কি মনে হয় তোমার সবাই বলে ও আর ভালো হবে না ওই রকম মানে যে ও আমার চাইতে বড় ওর যারা যারা ওর চাইতে বড় তাদের বিয়ে হয়েছে এই হয়েছে সবাই বলে ও আর ভালো হবে না ওই রকমই থাকবে দোয়া ওই রকমই থাকবে ও আর ভালো হবে না ওকে চিকিৎসা করে কি কি লাভ সব মানে আশেপাশে সবাই বলে রেখা faute d'argent a dû quitter sa maison et vit maintenant chez son frère. Pour élever son fils, elle doit travailler de plus en plus dur. Sa santé se dégrade et elle n'a pas les moyens de se faire soigner à Dhaka. Ça prend presque 2 ou 3 heures pour venir ici à pied. Je viens normalement à pied, mais si c'est encore plus loin, alors je prends le bus. Combien gagnez-vous ? On gagne 900 taka par mois. Et toi, Rekha ? Oui, on gagne toutes pareilles. On peut vivre avec 900 taka ? C'est dur. Comment pourrait-on vivre avec 900 taka par mois? Il ne nous resterait rien si on avait à payer le transport. Regardez, je suis une femme délaissée et je vis par mes propres moyens. Aujourd'hui, les femmes n'arrivent pas à vivre avec leur mari, car elles ne prennent pas leurs responsabilités. Ils ne s'occupent pas de nous et ils nous jettent à la rue. C'est un problème très grave pour les femmes.
Parfois, le travail est encore plus loin et je dois marcher 8 à 10 km par jour. C'est très dur. Je souffre. Je n'arrive pas à marcher. Et dans ces moments-là, je me sens très malade. Je ne peux pas travailler. J'ai mal et je reste au lit. Shahjahan, comment ça va? Comme ça. Je ne peux plus travailler, je reste chez moi. Je m'occupe un peu à la maison. Regardez, ma maladie s'aggrave. Et je n'arrive plus à supporter ni chaleur ni froid. Maintenant, je suis obligé de rester à la maison. Regardez mes pieds. Ils sont devenus très durs. Il n'y a plus de sang dedans. Parfois, j'ai l'impression qu'un insecte gratte à l'intérieur et monte jusqu'à ma tête. Alors j'ai l'impression que je vais mourir. Tu n'arrives plus à pédaler ? Non, maintenant je n'y arrive plus. Non. Tu chantes un peu ? Non, je n'arrive même plus à chanter. Il faut avoir de l'énergie pour chanter. Mais je n'y arrive plus. কবি বলেছেন যে প্রাকৃত মানব জীবনের সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করে হাকিমে নূর নামা কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করে যত মরে লঞ্চ ডুবিতে আর সিনিকে তত মরে কত খায় জল কুমিরে ঠাঙ্গরে আর মানুষ কুমিরে Aujourd'hui, il n'existe pas de technologie fiable et bon marché pour éliminer l'arsenic de l'eau. Face à ce défi, la communauté scientifique mondiale s'est mobilisée
sans véritable succès. En attendant, la meilleure alternative reste la méthode traditionnelle. Consommer l'eau provenant des nappes phréatiques superficielles alimentées par les pluies. Il faut donc creuser de nouveaux puits.
বলে ওম শান্তি ও কেউ পীরের পড়া পানি দিয়ে মেরে ফেলে জো কেউ গঙ্গা জলে ডুবে বলে ওম শান্তি ও À ce jour, le seul espoir de traitement efficace pourrait être l'homéopathie. Une équipe indienne teste depuis 2000 un médicament, Arsenicum album, sur les souris, puis sur les hommes. Écoutez, pour l'instant, c'est mieux que rien. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de traitement efficace. Il n'existe aucun médicament classique qui permettrait d'éliminer l'arsenic de l'organisme. Selon nos observations initiales, nous avons constaté que ce médicament élimine l'arsenic du corps et toutes les toxines. Les marqueurs enzymes ont confirmé cette thèse. C'est un grand succès. Mais ce n'est pas fini. Il faut absolument fournir de l'eau potable, parce que l'eau est le plus grand vecteur de la contamination. Nous avons remarqué que c'est surtout chez des personnes sous-alimentées que les symptômes sont visibles. Environ 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Avec des médicaments comme l'arsenicum album, il est probable que nous pourrions les protéger de l'intoxication. Nous pensons que des médicaments bon marché pourraient aider la population. Voici un diagramme. Regardez. Au début, les 7 premiers jours, il y a une augmentation importante de l'arsenic dans les urines. Après 15 jours, la concentration d'arsenic dans les urines diminue graduellement. En 2 à 3 mois, elle redevient normale. L'élimination d'arsenic par les urines est importante chez les personnes à qui l'on donne le médicament. En revanche, le taux d'arsenic ne diminue pas chez celles à qui l'on donne le placebo. Une ONG locale a invité une équipe de médecins homéopathes français pour vérifier l'efficacité de Arsenicum album à travers les résultats des tests effectués en 2003. Mais si ce médicament homéopathique réduit le taux de concentration d'arsenic dans le corps humain, il ne guérit pas les personnes déjà malades. Yes. Asthma 197 to 349 more. Rekha, PK less. 479 to 1 less. Elle, c'est assez spectaculaire. Elle avait 479 microgrammes d'arsenic dans ses urines par litre le mois de décembre 2003. Puis après traitement d'arsenic comme album, elle a une baisse spectaculaire puisqu'elle n'en est qu'à 157 microgrammes par litre. Donc elle a perdu 320 microgrammes, donc elle a perdu les deux tiers. En combien de temps? Les deux tiers en l'espace de 2 mois. En prenant régulièrement. Donc l'arsenic comme album. Donc on voit bien qu'il y a une élimination de l'arsenic stocké. Et on a peut-être plus d'espoir malgré qu'elle a des signes qui sont importants. Mais là, au départ, elle a éliminé beaucoup d'arsenic. Donc, il est possible qu'elle ait une aggravation légère. Vous avez vu sur la main? Oui, j'ai vu. L'eau habituellement qui fait vivre au Bangladesh, polluée par l'arsenic, c'est l'eau qui petit à petit fait mourir. Malheureusement, dans un tel désarroi, on a une lueur d'espoir, c'est-à-dire entre guillemets, une chance de traiter un plus grand nombre possible de personnes. N'oublions pas que sur les 150 millions de personnes, d'habitants au Bangladesh,
il y en aurait 75 millions d'atteintes, mais 10 millions de véritables pathologies, de véritables malades de l'arsenic. Donc, dans quelques années, on en aura beaucoup plus de malades de l'arsenic. Il faut agir vite, 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 très vite, et le mieux possible.